Deuxième partie de vidéo sur le remake de base. Donc et ben c'est à peu près fini. Peut-être des peaufinements et des améliorations qui seront apportées plus tard, mais pour l'instant on va rester là. Donc on peut voir deux docks d'amarrage avec mon vaisseau ici. Il y a un bug d'affichage là visiblement. The fuck. La base, comment elle se présente, de manière assez simple, j'ai mis le terminal devant ici parce que c'est plus rapide, plus simple. Des dômes à peu près à chaque autre pièce du site, on peut les voir à travers là, répartis par plan. Donc, Helianthème ici, les racines gamma en face, là-bas c'est Solanium, Coprite, à gauche là-bas c'est les cactus, Mordite et Orbe. Gravitino. Là, c'est que des fongiques. Et là-bas, fongiques avec les perles d'albumène et les dimnip. Il manque encore un dimnip. Bon, j'avais pas l'élément pour, tant pis, c'est pas grave. Donc, couloir courbe, couloir triangle, couloir droit. Deux couloirs droits, un couloir droit ici, et du coup des portes holo entre chaque endroit pour faciliter l'espace entre ces trois sites. Du coup, j'ai mis un PNJ à chaque endroit. Hop. À l'avenir, je vais peut-être une petite amélioration de ce côté-ci, mettre soit des nouvelles pistes d'atterrissage, est-ce que c'est utile, j'en suis pas certain, ou alors peut-être d'autres biodômes. On verra. Actuellement, pour paraît bien comme ça, donc wait and see. Enfin, j'ai fait les couleurs des bâtiments en fonction de la plante qui est à l'intérieur. Si on peut voir que c'est couleur cactus, couleur gamma, couleur solanium. Ah, les éclairages pareil. À droite, vu qu'il n'y a pas que les fongiques et qu'il y a les cactus, j'ai mis du rouge. À gauche, il n'y a que les fongiques et les cactus, j'ai mis du vert. Donc l'éclairage est cohérent avec la avec le reste. Et voilà, j'ai mis trois docks de trucs en face de trois bâtiments ici. J'ai mis pour le fun des petits éclairages pour éclairer des plantes, inutiles mais indispensables. Et si on va regarder du dessus, j'ai mis des petits éclairages aussi un peu partout pour j'ai mis même côte rouge et vert ici pour indiquer les zones, on va dire inutiles mais totalement indispensables. Donc voilà, base simpliste mais fonctionnelle, et j'en suis plutôt content en termes d'architecture. On va mettre deux portes holo qui sont collées. C'est l'astuce du jour qui fait gagner un petit peu de temps pour te passer d'un endroit à l'autre. En fait, cette organisation de couloirs fait que ça permet de faire ça. Ben, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour l'instant, j'ai arrêté là. J'ai redépensé à peu près toutes mes ressources. Donc, c'est bien assez. Allez, vidéo très courte pour juste indiquer ce qui se passe là-dessus. Je vais quand même prendre 30 secondes pour montrer dans le vaisseau là-haut. Je vais réorganiser tous mes containers. Je vois plus beau. J'ai viré ressources qui traînaient dans les conteneurs, qui n'y avait rien à foutre. Il n'y avait rien à y foutre plutôt. C'est pas encore fini, loin s'en faut, mais bon. Ça va aussi avec une réorganisation de l'espace de stockage du cargo. Parce que cargo, du coup, j'ai doublé toutes les ressources ici. J'ai prévu de quoi faire un moteur à hyperpropulsion. Je vais prévoir pour réparer les hyperpropulsions. Hyperpropulsion vaisseau, hyperpropulsion cargo. Ça c'est du stockage, mais toi c'est juste 1000 de chaque unité, de chaque truc qui peut être intéressant, et là 2000 parce que quand il en a besoin d'un peu, il en a besoin de beaucoup en général. Ça permet de libérer l'espace de stockage, et l'espace de stockage gagné, ça servira pour d'autres trucs plus tard. De la même manière, l'espace de stockage, j'ai viré tous les trucs faciles à forger, genre les aronium, je vais vous sortir la liste rapide, divers cailloux là. Dinésie, géodésie, bronze, sale, enfin tous ces trucs là je les ai virés parce que finalement c'est assez facile à faire. Donc ça prenait des espaces de
de stock ici, pas très utile. Moi je mets un petit code couleur, par exemple vert, je sais que c'est des éléments qui sont assez rares à trouver. Comme ça, bien là c'est à quoi se faire compagnie. Et ici ça doit être tout ce qui est perle d'albumène, compagnie. Voilà. Doré. C'est lequel déjà? C'est ça, je décide de le garder parce que c'est un peu plus chiant à faire. Et ici, c'est Mordite et les Omegro et compagnie. Voilà la couleur du fond du truc, hein. Je me suis pas fait chier à inventer la poudre. Alors ça c'est une astuce aussi quand on fait des pièces cubiques dans un vaisseau et que du coup il y a une petite marche au pied. Ben, ça ça permet d'éviter d'avoir à sauter. C'est tout con, c'est cadeau, ça fait plaisir. Parce que certaines fois ça passe, d'autres fois ça passe pas. Là par exemple ça passe pas. Petit coup d'éclairage aussi ici. Inutile mais indispensable. Et là après je me suis fait un petit marche au pied. Avec un intérieur tout bois. Du plus bel effet. Bon, faut que j'essaie de teindre mes plantes, mais ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est aménagement minimaliste du cargo parce que j'ai pas eu la foi de faire un jardin que j'avais fait en cuvette avec tout un chemin à faire. Finalement, le plus simple est le mieux parce que simplement ça rend moins, c'est plus agréable. Quand j'aurai une config plus puissante, je ferai un truc plus sympa. Et ici, ben, minimaliste aussi. Donc voilà, comme quoi faire une base. On peut faire des trucs assez esthétiques, assez fonctionnels et simples. Bon, sur ce, ben, je vais avancer. Parce que là, j'ai passé quand même pas mal d'heures à refaire des bases, mais en ce temps-là, le jeu n'avance pas. Moi non plus. Donc, ben, so long, Space Cowboy.